Ça, je vais le foutre par terre, ça va me faire gagner de la place. Ça, c'est pas utile. Pas utile non plus. Ok. Non, je voulais pas le porter, débile. Non, c'est comment pour forcer l'utilisation d'un sort? Attendez, je reviens. Je vais mettre Z, voilà. Ah, petite potion, petite potion, petite potion, petite potion. Voilà. Donc toi c'est bon, je peux te changer maintenant ton sort. Si je fais ça et je fais ça. Ouais, ok. Ok, ok. Alors, c'est parti. Là, on va avoir des araignées qui vont passer au-dessus normalement. Putain, qu'est-ce que je disais? Essayer la conservation de position, qu'on défende tous en même temps. Alors là, il va falloir qu'on fasse vraiment attention. Au pire, on va aller ouvrir cette porte-là en premier. Ouais, c'était pas une bonne idée. On va aller s'attaquer à eux d'abord. Vous avez un truc qui freine, les gars. Bâton d'ordure, vol de vie. Des caisses à démolir par là? Oui. Enfin, elle est ouverte à démolir. Ouh! Des gants curatifs. Ça peut être sympa. Alors, gants curatifs, il nous faut... Non, de la dextérité. Augmente de 4. Augmente de 4 le maximum de dégâts au corps à corps du personnage. Et curatif, ça veut dire que ça soigne, non? Ça me semble un peu tiré par les cheveux, tout ça. Ouais, toi, je vais te garder, par contre. Ici, j'ai des trucs qui ont besoin d'intelligence. Enfin, qui peuvent être utilisés avec de l'intelligence. Toi, tu fais du 9 à 15. C'est pas mieux. Ok. Là, il me faut de la dextérité. Donc, c'est bon. Là, faudrait que j'augmente ma dextérité. Mais bon, bon voilà. Au pire, je le mets à L, mais bon. C'est pas folichon, tout ça. Ouais, bon, bah là. Ah, j'ai des bâtons. 18-22. Ouais, lui, ça augmente que 1 point de mana par coup, alors que là, ça fait du 18-22. 10% de chance de parer une attaque au corps à corps. Et là, du 14-18. Ouais, bah, on va prendre le 18-22. Même si je suis pas sûr que ça me donne un peu plus de... Enfin, que les 10% marchent quand ils m'attaquent au corps à corps et que je...
et que moi j'attaque à la magie. On est un peu con, il était un peu bloqué. Merde, 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 merde. Mais non, mais... Me tuez pas, bande de débiles. Ah ça y est, je viens d'augmenter légèrement en puissance magique, je vais être obligé de le réanimer, le... Résister de nouveau. C'est quoi, c'est dextérité ou c'est la compétence? Ah non, c'est la compétence d'attaque à distance. Bon, toi, faut que tu ressuscites. En fait, on va remettre en déplacement libre. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc que je fais de travers. Ah oui, tu peux pas l'emporter, c'est vrai. On te redonne le glaive. J'ai des boucliers, ok. Enfin, j'ai... comme ça, faut les donner à lui. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse gaffe. Si on ouvre une porte, ça va peut-être sortir des grilles. Je sais plus exactement. Je sais que les araignées ont tendance à sortir des grilles. Il n'y a pas d'équipement par là. Ok, il n'y a qu'une seule porte. Non, ça c'est quoi? C'est un accès? Ouais, mais pas pour moi. Ok. Ok. Là, les deux portes vont s'ouvrir. Gagné. Ok, bon, tout arrivé là comme ça, super. Il y en a même qui arrive du derrière. Non mais... Ok.
On s'en est sorti. Ok, ça y est, je commence à avoir trop de trucs sur moi. Bah du coup ça, on va le foutre par terre, on en a plus besoin. Ça, je vais le mettre par terre aussi. Bâton dégradé. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Tout ça, on va pouvoir le transformer. Il nous fait quoi dedans? Non, c'est bon, il fait rien pour l'instant. Ah oui, merde, c'est des potions de santé. Je peux pas transformer les potions de santé, ça paraît logique. Voilà, je crois que j'ai plus rien à transformer. Moi je sens un peu là. Bon là il y a une nouvelle porte à ouvrir. Ici c'est un cul-de-sac. Bah j'ai trouvé ma chambre, tiens, allez hop. Des potions de santé, ça tombe bien. On en a besoin. Ok, est-ce que j'ai encore des trucs à récupérer là? Non. On pourra jeter un coup d'œil à ce qu'on a récupéré maintenant. Non, ça j'en ai pas besoin. Voilà, toi voyons. 7, 12, bah t'as déjà mieux, donc ça dégage. Récupérer des chaussures. Et toi, t'as plein de trucs, mais bon. Ça se trouve, c'est en dessous de 8-15. Non. Par contre, il y a deux fois les mêmes. Enfin, il y avait même trois fois les mêmes. Final, marteau commun. Voilà. Ah, j'aime vraiment pas les araignées. Ah.
Ok, c'est bon, ça s'est calmé. Voilà, parfait. Encore une qui nous arrive dessus, mais bon. Ok, nickel. On a gentiment monté quelques compétences. Maintenant, on va ramasser ce qu'on a fait tomber, faire le tour un peu de la salle. Ok, voyons ce qu'on a sur nous. Alors, il faut de la force pour ses bottes. Il faut de la force pour ses bottes. Éclair. Provoque une explosion accompagnée d'un éclair près de l'ennemi et endommage la cible. Intéressant. Ok, toi t'as monté t'as monté certaines compétences, mais c'est pas encore suffisant. 25, 29, alors que mon éclair il fait du... Ok. Ouais, c'est des charges électriques, donc je sais pas. Je sais pas comment comment ça s'utilise. On va voir normalement. Normalement, ça de... Enfin, je devrais vite m'en rendre compte. Ça a l'air efficace. Ok, la force vient d'augmenter, c'est bien. J'ai l'impression que l'attaque est un peu plus lente. Ah, mais c'est parce que j'ai plus de mana. Ok. J'ai l'impression que l'attaque est un peu plus lente, mais bon, ça donne presque le... Ça fait... Ouais, presque le double des dégâts, je crois. Faut que je vérifie. Alors, entre ça, donc, voyons. Donc, c'est du 147 dégâts par seconde. En plus, c'est des dégâts de zone. Donc, ouais, j'avais raison. Portée de 6. Coup de mana 1, d'accord. Comparé à lui... Donc, déjà, on fait plus de dégâts à la seconde. En plus, c'est du dégât de zone. Portée 8, on fait... Ok, c'est un peu... Il y a une plus petite portée, mais par contre, on fait des dégâts de zone et un peu plus de dégâts. L'arc, il sert à rien pour l'instant. Ah, ça y est, on peut augmenter à 23 notre défense. Parfait. Mince. Chaque fois, je me trompe de touche. Non, ça, c'est la carte. Ouais, j'avais décalé mes doigts. Désolé pour cette petite... J'ai déjà un glaive, ça sert à rien.
Le sort en soi est sympa. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres trucs cachés. Ah si, j'ai rien dit. Bon, c'est des potions de santé. Après, on a besoin des potions de santé. J'ai pas fait gaffe à ce qui me restait en stock. Normalement, il m'en reste encore un petit peu. De rassembler. Explosez-moi ce garde. Voilà. C'est lui qui fait le plus de dégâts. Voilà. C'est marrant, maintenant qu'il n'y a plus la grosse tête. Ok. On a encore consommé un paquet de nos réserves de potions. Heureusement que j'ai le sort qui transmute les objets en potions de santé. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout. Super. Ça fait du 14-17, c'est plus, ça sera plus efficace que mon glaive. J'ai pas fait gaffe à mon potion par contre. C'est bien, j'ai une idée qui augmente quand même sacrément. Ok, parfait. On a encore fait un petit carnage. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau... 16 de défense, ouais, mais bon, il y a ça. Bon, c'est 6 de défense, ok. Bon, allez, si. Ça, je commence à vraiment galérer au niveau de ma défense. Faut vraiment que je fasse quelque chose. 13 de défense, 18. Ouais, non. Il me reste plus beaucoup en potion. Ah, bah, j'ai le bâton, ça y est. 26, 32. Ok. Plus maintenant, je vais pouvoir utiliser le sort de convocation de Grummal tueur.
Ça va être pas mal. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime, et vous aurez du gâteau.